Eh bien, salut tout le monde, c'est Mergin et je vous retrouve pour une vidéo sur la première étape de l'énigme du laboratoire Niobé. Voilà, j'y suis Niobé, pardon, pas Niobé. J'y suis de nouveau et en fait, voilà, petite mise à jour. On pensait à un moment qu'il fallait absolument être une escouade de 3 pour le faire, donc ça vient d'être démenti. Forcément, je trouvais ça bizarre que Bungie, sachant qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent solo, qui n'ont pas spécialement d'équipe et tout, non pas, enfin, ne permettait pas de le faire en solo. Donc c'est possible, faut être extrêmement rapide. Donc là, je suis sur PC, donc forcément avec la fluidité et tout. C'est un peu plus cool, sur console je pense qu'il va falloir quelques tries. Et du coup comment ça marche? Déjà il vous faut une condition, si jamais vous êtes tout seul, comme moi je suis là, il va vous falloir absolument les trois armes primordiales de la forge. Donc la machine gun, donc la mitrailleuse lourde, celle que j'ai là, il va vous falloir le sniper de Tatara, je crois que c'est ça, que vous chopez sur la deuxième forge, et l'arc que vous pouvez choper sur la troisième forge. Voilà, il vous faut absolument ces trois armes là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez pas les mêmes symboles. Regardez, si je prends ma machine gun, je vois des symboles ici, par exemple celui-ci, et si je prends mon sniper, et ben je le vois plus. Si je prends mon arc, je le vois plus. Par contre, si je prends mon sniper, hop, j'ai d'autres signes qui apparaissent que je ne vois pas ici. Voilà, la première étape en fait est pas excessivement compliquée. Il va vous falloir activer dans un ordre précis trois symboles. On va pas rentrer dans les détails de pourquoi ces symboles là, tout ça et tout, ça serait un peu chiant. En fait vous avez plusieurs emplacements, donc je vous ai mis en fait des, voilà, vous entendez le son est assez fort. Le but en fait est d'activer trois signes le plus rapidement possible. Vous avez le premier qui se trouve ici, j'essaie de m'avancer un petit peu. Voilà, vous avez du coup le symbole du vent que vous ne voyez uniquement qu'avec l'arc, donc il va falloir forcément l'activer avec l'arc. Vous avez avec le sniper le rocher qui est juste ici, et avec la batteuse lourde, vous avez la flamme qui est juste ici. Donc le but est vraiment d'aller très très vite. Si ça marche pas, il y a d'autres placements, donc on va essayer. Très bien, je me suis planté. Je vais les mettre dans un autre placement. Je viens de voir qu'Ésotérique avait sorti une vidéo qui l'explique. Forcément, vu qu'il a une meilleure connexion que moi, et bah ça sort beaucoup plus tôt. Forcément. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui se met là. Je trouve ça pas plus mal. Ça a l'air vraiment d'aller assez vite ici. Donc, let's go. Mince, attendez, je me suis planté. Vous voyez, hein, faut vraiment aller vite. Voilà. Et vous avez du coup ce son qui vous indique que la première étape est terminée. Donc on est toujours en train de chercher plus ou moins un deuxième, je vois il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui s'activent, je participe aussi sur le chat de GLAAD, ouais, j'essaie de donner des idées, des trucs, tout le monde s'y met, je trouve ça chouette, donc à voir maintenant ce qui se passera pour la suite. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé, donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, à bientôt.